cette collection a été constituée par un transporteur, un gros transporteur de la région des Deux-Sèvres. Et il a réuni en 15 ans, il a sauvé de la casse un grand nombre de voitures des années 30 aux années 60, que des carrosseries spéciales, des voitures de grand prestige, des voitures rarissimes. Et il a connu un revers de fortune à la fin des années 70. Et une vente judiciaire a eu lieu, une centaine de voitures, et ce qui a provoqué un traumatisme important dans la famille. Et résultat, toutes les voitures sont restées figées à partir de la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, date où nous les avons découvertes, vraiment un toucher dans leur pur état d'origine. Encore complète en fait. Et ce qui est fou, c'est qu'on peut vraiment parler d'un collectionneur de la première heure, puisque c'est avant même les frères Schlumpf. Et il était en contact avec Malartre, qui a créé un musée à Lyon ensuite. Donc c'est un des premiers collectionneurs de France dont la collection n'a jamais été dispersée, mis à part cette vente. C'est la première fois en fait qu'elles sont sur le marché, ces autos. Ce sont des voitures totalement vierges, jamais vues ni touchées depuis 50 ans. Donc lorsque nous sommes arrivés dans cette collection, nous étions comme Lord Carrington lorsqu'il est entré dans la chambre de Toutankhamon. Une émotion considérable. Un choc pour des passionnés que nous sommes. Des voitures totalement restaurées, évidemment, mais des pièces d'art. De grands carrossiers français, de grandes marques françaises. Aujourd'hui, on ne trouve plus de voitures comme ça restaurées. C'est les seules qui existent dans le monde aujourd'hui. Et cette collection représente, telle qu'elle est, comme ça, in situ, comme une œuvre d'art géante, une œuvre d'Arte Povera, où le temps a fait son travail sur les carrosseries. Enfin, ce sont des choses qui nous touchent énormément, évidemment. Donc t'as vu, Mathieu, c'est incroyable, parce que cette Ferrari 250 châssis court californien, de 61, elle est absolument superbe. Elle est superbe, mais surtout, entièrement d'origine. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle avait complètement été perdue de vue par tous les historiens de la marque. C'est une voiture qui avait disparu, en fait. Tu sais que tous les historiens de la marque parlent par numéro de châssis. Ouais. Et 29-35, le numéro de châssis de cette voiture, avait été totalement perdue de vue. Elle avait été volatilisée, elle s'était volatilisée, c'était un peu une chimère. Ouais, c'est la carrosserie la plus désirable en plus. California comme ça. California châssis court, c'est le Graal. La California châssis court, c'est le Graal de l'automobile pour tout collectionneur de Ferrari. En fait, cette Ferrari, ce qui est beau, c'est que c'est un California cabriolet et qu'elle a les phares couverts en plus. C'est une des versions les plus rares, les plus désirables. Le modèle le plus recherché. Ouais. Ce qui est extraordinaire dans cette voiture, c'est qu'elle a été exposée au salon de l'auto de 1961 sur le stand Ferrari, achetée neuve par Gérard Blin, l'acteur, scénariste, et revendue 2 années après à Alain Delon. Donc c'est une voiture mythique, qui a l'histoire, qui a la provenance, le prestige. C'est un mythe automobile.